Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le test de la K31 Suisse. Alors la K31 Suisse, c'est un nouveau sniper sur Black Ops. Alors je l'ai testé sur Black Ops et Modern Warfare. Sur les deux jeux, elle est assez différente. Je la trouve un peu meilleure sur Warzone que sur Black Ops, elle est un peu plus fluide. C'est pour ça que je vous ai préparé un petit gameplay où je vais utiliser cette K31 dans les deux conditions sur Warzone, sur Black Ops. Vous allez voir qu'il y a de réelles différences de rapidité, de fluidité. Mais elle est quand même pas mal. J'avoue que je l'ai testé avec quelques atouts, quelques équipements, mais pas l'ensemble des équipements disponibles. Alors je garde un avis assez réservé, mais elle est vraiment pas mal. Alors les amis, je vais vous quitter sur ce gameplay. Je vous laisse savourer ce gameplay. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Et regardez comme cette K31 Suisse envoie le pâté. Sécurisation de Charlie. On a perdu Bravo. Attention, un hélicoptère est mis à fond. Abattez-le et sécurisez l'argent.